Donc, troisième chapitre, Farewell to Arms. On va voir ce que ça donne. Et j'ai vu également, je suis allé m'informer un peu sur ce quatrième épisode. Et il y a bien 9 niveaux, donc il est complet. Après, pourquoi il y a bêta, ça je saurais pas le dire, quoi. Toujours en normal. Et c'est parti. Ah putain, si, ça me dit quelque chose. En fait, c'est dans la ville, je crois, tout le temps. Et je crois qu'il y a des explosions de partout là au début. Ah, il va être plus intéressant, je pense, que le deuxième épisode. Par contre, je vais peut-être en chier rapidement. Alors, dis-moi hein, si y a un problème de son. Ah, cool. On a cette arme dès le début. Alors, la clé de flamme. Essayer de trouver une porte que je puisse ouvrir. Là. Attends, je crois que là il y avait. Ouais. Un truc à récupérer là-dedans. D'accord, c'est cool. Attends, on récupère quasiment toutes les armes dès le début, c'est bien ça. Ok, j'ai la clé d'araignée. Me demande s'il n'y avait pas un faux mur. Un truc comme ça. J'ai des vagues souvenirs de ce début d'épisode en tout cas. Ah voilà. Ah ouais, non, j'ai bien quelques souvenirs. Très bien. Maintenant on passe là. Je crois qu'il y a. Bon, ça, j'ai pas trop perdu. Mais ça me permettra d'aller en face, quoi. Ok, c'est bloqué. Merde, j'ai raté le saut. Ça te parle un peu, ça, Choupi, ce niveau-là? Enfin, au moins ce début. Je crois que ça va être la merde. J'ai l'impression qu'on se fait bombarder en fait. On va commencer les sauvegardes. Putain, fais chier. Voilà. Oh putain! Oh merde, putain, ça qui est. Une espèce de chien là qui crache des flammes. Saleté. Eux, je les avais oubliés par contre. Et ils sont présents que ici alors. Vous avez pas vu avant. Bon, j'ai noté également. Ah, il avait la clé de nuit. J'ai noté également où se trouvait le niveau secret. Donc ça va le faire. Attends, je me soigne. Et ensuite je prends ça. Voilà. Je l'ai pris bizarrement, mais c'est bon. Alors par contre, j'ai pas trouvé la porte avec la serrure de lune là. Sauvegarde, on va tomber dans l'eau. Hop. Putain, il y a des ennemis qui sont apparus là. Ça, j'ai plus de mitraillette là. Ah, si. Très bien. Super optimisé ce que j'ai fait, c'est pas. D'accord, il y a d'autres entrées maintenant.
Ouais, bah, je pense qu'on l'a. Putain. On a très souvent fait le début, quoi, en fait. Et vu que le jeu est quand même assez balèze. Enfin, pour ma part, moi, j'allais pas bien loin, quoi. Après, j'ai essayé un peu quand même les chapitres, puisqu'on y a accès. J'ai essayé pour voir, quoi. Non, putain. Il a paru comme un con, l'autre. Attends, attends, faut que j'optimise ça là. Y'a moyen avec une dynamite là. Putain, mais merde, qu'est-ce qui se passe quoi? Bon, attends, en fait, y'en a pas besoin quoi. Y'a un truc qui pète là quand je fais ça. Là. Je sais pas ce qui se passe en fait, y'a tout qui s'écroule. Bon, finalement, ouais, y'a pas besoin de la mitraillette. Surtout que ça me va pas, dynamite, hein, forcément. Ah, c'est bien. Ça, c'est cool. Il souffre en silence, lui. Ok. La clé de flamme. Putain, ça fait bien les explosions, là, Duke Nukem. Ouais, non, non, la porte est là. Je peux pas ouvrir celle-là en fait. D'accord. Laborieux. Ça, il se relève pas les cons là-bas. Il picole lui. Regarde-le. Alors, je sais pas trop où aller, on va essayer l'ascenseur quand même. Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a tout qui pète dans ce niveau. Ok. Merde! Ah, il y a un chien là. C'est clair. C'est bon, je l'ai eu. Ah merde, il y avait une pharmacie là. J'aurais pu le mieux optimiser. Non, 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 merde. Oh putain, oula merde, putain, qu'est-ce que j'ai fait là? C'était quoi ces os là? Ok, on pourra passer là. Merde, y'a des mains. Prends ça plutôt. C'est tout? J'ai l'impression. Ah, c'était ceux que j'essayais d'avoir au loin. Ok. Oh.
les balancer de la dynamite. On a dû prendre feu là, non? C'est bien comme premier niveau, hein, c'est déjà assez long. Et très dangereux quoi, avec ces explosions de partout là. C'est bizarre ce mur. Oh non. Oh putain, je les ai traversés. Salut Joax. Ouais non mais il est bien glauque hein, comme jeu, c'est clair. Ah putain oui je me rappelle de ça. Ça c'est une référence à un film, hein. Je te laisse deviner. Tu devrais connaître hein. T'es experte en film d'horreur. Avec tous les petits sapins là. Ça c'était excellent ça, ce clin d'œil. Salut Fire Mario. J'enregistre. Hop, c'est bon. Ah, c'est un vieux film, hein. Enfin, un vieux film. Années 90, si je dis pas de bêtises. Avec Brad Pitt, là, je pense que tu as trouvé. Alors, attends, j'ai chopé une clé. Par contre, c'est la porte qui me manque. C'est là que j'ai fait péter le mur, donc on va y aller. Ouais, apparemment c'est ici. Oh putain, saleté là. On va plutôt prendre ça. Putain, mais dégage toi. Allez, fous-moi le camp là. Putain, mais je l'ai brûlé. Je sais pas comment on s'en débarrasse. Je sais pas du tout comment on s'en débarrasse des mains. C'est vraiment comme dans Alien, hein. Faut dégager les facehuggers là. Ça a pas l'air hyper efficace là. Ah, si, je l'ai cramé là. Non, non, ça a marché, mais t'as fallu la dose, hein, quand même. Ok. J'ai trouvé un super secret. Pourquoi il me dit ça? Oula. Hartung. Qu'est-ce qu'il se passe? Ça c'est la merde là, je sais pas ce qui se passe encore mais... On se retrouve dans Wolfenstein. Si c'est ça pendant tout le niveau, il va falloir que je finisse assez vite. Hein. Saleté. Putain de rat. Je m'en souviens pas s'il y a des ennemis nazis, hein. Je pense pas. Ça deviendrait cool. Ah, j'ai plus de fusée. Bah moi, ils ont pas eu besoin de faire de musique, hein. Ils sont où? Non, c'est d'où je viens, ça. J'ai failli me prendre une dynamite, là.
Excellent, le logo. Ils se font leur pub. Ouais, donc si t'as pas trouvé Choupi ou même les autres, donc la référence tout à l'heure là avec les sapins, c'était une scène dans Seven. Tout prendre ça. Je sais pas où c'est barré la main là. Putain, c'est vrai que c'est un peu, ça va être un peu casse-couille là ce soir. Ça me pète les oreilles. Hein. Mais bon. Ça me permet de rester attentif. Ah, alors, c'est quoi comme clé? D'accord, c'est le crâne. Ah, il y a une nouvelle arme là. Ouais, enfin, oui. C'est un thriller quoi, mais c'est quand même assez horreur. Je sais pas trop comment le considérer quoi. Mais ouais, c'est pas un slasher, un vrai. Comme on connaît quoi. Voilà. Ça, je crois pas qu'on l'avait, hein, cette arme. Ou alors je l'avais pas utilisée dans l'épisode 2. Ah! Putain, c'est taré. C'est marrant. Enfin, tant mieux. Merde, ça revient. Oh putain, merde, les araignées vertes. Oh putain, ça y est. Là, je l'ai bien utilisé là. Ok. Ah, la fabrique du KFC à l'époque. Merde. Il y a le Cerber là. Attends, on va utiliser ça. Oh putain, c'est efficace, hein. Bah, c'est pas un Cerber quoi, mais c'est un chien démon quand même. Il a pas trois têtes quoi. C'est quoi ça? Salut Tabokova! Attends, je vais sauvegarder, je vais. On peut aller dedans. Ah, du sang de poulet là. Ah. Ah, j'ai l'impression que l'alarme a été coupée là. Merde. Bon, viens là toi. Je le demande. Ah bah si. C'est pas la fin. J'ai rien à faire ici. Attends, je sais pas où il est. Où il était là, le zombie. Là. De l'autre côté. Non, comme ça y était pas. Ah fuck, on se rapproche. Voir ce qu'il y a là, maintenant que j'ai tout. Ah, il y avait la clé.
Je sais pas ce que c'est, clé de lune sans doute. Attends, il y a un trou là. Ah, ça me fait revenir là. Hop. Locked. Ah, mais je sais pas quelle clé il faut là. Putain, c'est bizarre ce son. Putain, ce chien de merde là! Il est pas mort. Ça y est. Ah ouais? Enfin, je sais pas. Vous avez essayé d'en mettre là et ça affiche rien. C'est vrai que je vois des smileys classiques. Me barrer là. En général, quand ça pète comme ça, vaut mieux pas rester dans le coin. C'est les deux, Tom Bokova. En fait, ça me manquait Wolfenstein. Donc j'ai rajouté, j'ai remplacé toutes les musiques par ça. C'est cool, non? Ah, tu vois, là j'ai rajouté une deuxième sirène. Ça suffisait pas une seule. Merde, je suis tombé. Je peux remonter? Ouais, c'est bon. Oh, quel enfer, putain! Allez, monte! Putain, mais j'arrive pas à sauter. Attends. Ah non, mais je peux pas en fait. D'accord. Putain, faut aller où? Putain, c'est insupportable. Ah voilà. Est-ce que je peux aller là? Hop! Ouais, c'est pas mal. Oh non, mais attends. Ah! Comment je m'en débarrasse? Putain, mais... Voilà, ça a brûlé avec moi. Je suis mort par un rat, j'ai l'impression. Putain, mais c'est chiant ces mains là. Je sais même pas où c'est. Dégage! Putain, je peux rien faire quand j'ai une main au cou. Putain, évidemment un Cerbère et voilà, ça y est, j'ai eu le bain. Putain, c'est quoi cette scène de merde là? Dégage. Où sont ces putains de mains? Ça a calmé ici. Ah, elle est là. Putain, je l'ai vu passer. Elle est là. C'est bon. C'est un cauchemar ces mains, sans déconner. Il doit y avoir une façon de les s'en débarrasser, quoi. Mais je vois pas comment. Il y en avait une autre. Oh putain, merde. Ah, je crois que je vais l'avoir tué. Calme-toi, calme-toi. Putain, il y en a deux. Ah d'accord, mais je confonds son cri de mort. Par rapport à ses chouinements. Oh,
Salut Totor! Bienvenue! J'espère qu'on va bientôt finir ce niveau parce que... Putain, j'ai eu peur. Là, ça va, c'est calme. C'est encore du serveur, putain, ça y est, les avions attaquent. Putain, c'est fatal, hein, ces chiens. Je pense qu'il y avait une musique quand même à l'origine. C'est juste le mode qui déconne un peu. J'y viens de là? Ouais, j'ai tout fait là. Oh, ouais, c'était l'autre côté, d'accord. Ah bah ça va, Nécropole, non, tu te rapproches, Totor. Mais c'est bien parce que il est facilement platinable, hein, je veux dire. T'as pas grand chose à faire de plus que si tu fais l'aventure au complet, quoi. Si tu fais toutes les quêtes annexes, tu récupères tout. C'est cool, quoi. Et juste un truc où j'ai utilisé un guide, c'est pour péter là, les chevaux d'entraînement, là. Parce que ça, je savais pas du tout qu'il fallait les péter, quoi. En fait, on peut le faire dès le début, ça. Enfin, pratiquement, c'est que de la zone au sud-est. Mais bon, fallait le savoir, quoi. Bah, c'est bon, là. Peut-être se calmer, tiens. Combine à... peut-être se mettre comme ça, là. Attends, il y a des lasers là, je sais pas ce que ça fait. On y va. Pas moi qui suis mort. T'as trois petites mains là. C'était assez dangereux. Merde, j'ai plus de mitraillette. C'est un chien ça qui gueule comme ça? Oh putain, c'est quoi ça? Ah oui, c'est les. C'est les requins. Donc ça vit hors de l'eau ça. Ah, c'est la fin du niveau en plus. Attends, je regarde ce... juste s'il y a des. Munitions, power-up. Non, j'ai pas l'impression. Ok, ça marche pas. Attends, c'est un troll ou... C'est bien la fin là. Non, ça marche pas, hein. J'appuie sur le... Merde, je voulais pas utiliser ça. Est-ce que c'est un bug ou... Attends, il y a peut-être un truc à activer là. Enfin, refais voir là ça. Il n'y a plus rien qui marche. C'est quoi ce bordel? Je peux plus rien. Ah si. Je crois que j'ai ma barre espace qui était pétée. Non, ça a l'air bon. Faut de ça coffre-fort là. On est dans une banque là en fait. Putain, enfin, c'est pas hyper bien représenté quand même. Ah là, ça a marché. Putain, c'est bizarre. Bon, on va pas chercher. J'ai l'impression que la barre d'espace marchait plus trop là. Putain, je suis en train d'entendre les mains là. Non, non, j'ai pas vraiment farmé, par contre, je me suis beaucoup battu, quoi, mais...
pendant mon exploration, quoi. Merci. Oh putain, les mains sont sous l'eau. Oh, saleté! Putain, et voilà, bon, bah, c'est foutu. C'est vraiment de la merde, ces mains. Je vois rien. Ok, bon, je suis mort. Je vois que dalle. Faut que je trouve un endroit pour respirer d'abord. Putain, c'est pas là. Putain, c'est quoi ce niveau de merde? Non, j'ai pas prévu un gros live, juste finir l'épisode 3, je vais faire entièrement, donc ça va peut-être durer 2 heures. Toujours compliqué, quoi. Il y en a un qui doit fermer, l'autre ouvrir. C'est pas cool ce que je fais. Non, c'est bon. Hop. Putain, mais ça crève pas ces saletés là. C'est bon. Ouais, non, je fais que Blood parce que j'ai envie de finir le jeu, quoi. Pour passer après, pour mettre un autre jeu sur les prochains lives. Puis bon, j'ai envie de l'avancer. Écrase une. Là, c'est un niveau spécial égout, j'imagine. C'est, elle est là. Ça doit réveiller le dos, ça. Bien au début, très bien. Donc là, il faudra la clé de crâne. Non, j'ai aucune clé pour l'instant. On va passer par là, on a tout fait péter là. je sais pas après. Attends, merde, merde, je suis retourné au début là. Attends, il y a la main qui traîne alors. Il y a un truc sympa là-haut, mais je peux pas y aller hein, comme ça. Qui c'est qui m'a eu? Bon, bref, le chemin c'est par là plutôt. Non, je peux rien faire là. Je sais pas, je tenterai bien après là en live bientôt, mais ça sera un live en plusieurs parties du coup. Enfin, let's play en plusieurs parties. T'en avais parlé, Totor, bah, du Donkey Kong Country. Hein. Je le ferais bien, celui-là, en découverte. Hein. Je sens que je galérais comme pas possible, mais bon. Ça peut être rigolo.
con pour eux hein, de crever comme ça. Ça éteint pas les flammes, les égouts. Ouais, je verrai quoi, mais je suis pas non plus très habile, hein. J'avais déjà joué à l'époque un peu Donkey Kong Country et j'y arrivais moyennement quoi. Oh, une grosse araignée là. En général, moi j'utilise ça pour me débarrasser de ces merdes. Ça, il s'en fout. Merde, putain, il est passé sous l'eau, je crois. Putain, ça m'a fait peur. Ok, il va falloir se battre sous l'eau. Ah non, il y a la clé. Osef? Putain, ouais, Osef. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que. Là, je suis au-dessus d'eux, mais je sens rien. Bon, tant pis, hein. Et ouvre-moi ça, toi. Ok. D'accord. Bah, je verrai, mais faudra pas me juger hein, sur ma prestation. Le seul Donkey Kong que j'ai fait, c'est sur Wii et Wii U. J'ai fait les deux. Mais c'est sur Super Nintendo, non, pas vraiment. Bon, je ferai dans l'ordre, de toute façon. C'est le 3 apparemment qui est moins bon, c'est ça? Putain, mais merde, je suis à double arme, j'arrive pas à les buter, quoi. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, je l'avais refait à l'époque aussi, sur... enfin à l'époque, pas très longtemps sur 3DS. Sauf que je jouais sur une 3DS classique, c'est vraiment pas la XL quoi. Bah, je peux te dire que, waouh, j'avais mal aux yeux. C'est vraiment trop petit. Hein. Il y a une main. Je sais pas où est cette putain de main encore. J'arrête pas d'enregistrer comme un sauvage. Non! C'est bon. Par contre, je sais pas où je suis tombé. Merde, je suis loin là. Ah, je sais plus ce que j'ai fait comme chemin. Attends, faut que je retrouve les. Voilà, ça. Ensuite, ouais, je suis passé par là. Il y a le chien quelque part. Putain. Ah, c'est pas là. Le chien doit m'attendre quelque part là. Je crois que c'est juste là. Bon, par là alors. Ça me dit rien ça. Non, j'ai pris un autre chemin là. Pardon. Secret. Je vais me casser de là. Ça se ferme. J'ai cru que ça allait exploser là le truc. Finalement non. Ok, j'ai la clé.
Attends, il y a un bouton là. La poupée voodoo, l'arme que j'utilise quasiment jamais, alors que c'est cheaté quoi. Ouais bah Totor, tu vas bien te foutre de ma gueule je pense. On m'a conseillé de le faire à 100%, enfin surtout le 2, hein. Le premier pas vraiment, mais surtout le 2 pour débloquer un monde secret. En live je le ferai peut-être pas par contre. Comment dire? Bon, imagine je finis le jeu en live, ok, normalement. Et je pourrais... Oh putain, énorme! Ah c'était bon ça comme arme. Oui, je pourrais... Merde. Putain, attends 2 secondes là, je m'en mêle avec les boutons. Bon, attends, je vais recharger parce que j'ai fait de la merde. Je voulais juste voir un peu ce que faisait cette arme. Et le tir secondaire, attends, on va essayer. Ah! Ah putain, c'est une tourelle! Excellent, j'avais jamais vu cette attaque secondaire. Tu poses une tourelle en fait. Ah putain, il me tire dessus, foiré. Attends. Ah d'accord, puis on la récupère après. Ok, très bien. Plutôt me le faire comme ça, ce chien là. Voilà. Oui, voilà, il y a des niveaux secrets, donc ce que je ferai, c'est que... Bah, je ferai le 100%, tout ça, mais en local. Et alors, je reprendrai plus tard en live sur les niveaux secrets. Je pourrais faire ça, par exemple. Après, je sais pas dans combien de temps je ferai ça, quoi. Ouais, il y a beaucoup de jeux où la Wiimote, c'est quand même un peu un handicap, hein. Un peu chiant. Please wait. Putain, c'est bizarre. Comme si le jeu avait planté, là. J'ai un espèce de... J'ai le curseur, là, de Windows, là. Le sablier, si on veut. J'ai l'impression qu'il a planté. Ah, chier. Bon, attends, je vais le relancer. Ok, c'est bon. Je vais le relancer, c'est pas trop grave. En espérant que ça va pas planter maintenant pour ce niveau, quoi. Est-ce que ça chope direct? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça se lance plus? Ah, j'ai tué le jeu. J'arrive pas à... Ah d'accord, j'arrive même pas à relancer le jeu. Ah, fallait que ça arrive, une petite loose là. Ça faisait trop longtemps là que ça se passait trop bien. Attends, je regarde les process là. Qu'est-ce qui se passe là encore? Donc je ferai sans doute une petite coupure pour la rediff, histoire que j'ai pas eu cette attente comme vous avez subi sur le chat, quoi. Heureusement qu'il n'y a pas eu des mises à jour comme tu dis. Là j'aurais un peu ragé. Donc faut que je refasse ça là. Ce con on m'a pas vu ou quoi? Mais non, je l'ai tué, d'accord. J'avais même oublié ça. Allez, j'espère que c'est bon là. C'est bon. Donc là, à ce niveau-là, il y a l'accès au niveau secret. Donc je suis allé. J'ai regardé sur YouTube. Auparavant, et je sais où ça se trouve. Donc, quand je rentrerai dans une chapelle, si jamais j'oublie, rappelez-le moi, parce que ça sera à cet endroit. Test de smiley. Ah là, il y a une petite musique là. Bon, d'accord. Ok, donc c'est la baise. Pas tomber dans les égouts. En même temps, c'est par là que je sors. Faut pas y retourner, quoi. Tête de chat. Non, ça a l'air d'être ok, hein. Enfin, dites-le moi. Attends, j'ai pas vérifié. Non, le son, ça a l'air bon.
Ah, pas de soucis, Kagura. C'est même mieux les rediffs, hein, en tout cas pour la qualité, je parle. Et du coup, ouais, vous avez atterri sur le. J'ai cru voir, c'était sur le live de Narrow Snake. Vu qu'il y a l'auto-host. Vous avez profité pour lui faire un petit coucou, quoi. On est dans un hôpital, ouais. Il est encore en vie, lui? Plus maintenant. Merde! Putain! You, là! Attends, hop! S'il fait ce con. Ouais, il jouait au nouveau là, Nier Automata. Enfin. Ouais, c'est ça normalement. C'est-à-dire qu'il l'a acheté, hein. Ouais, il l'a peut-être acheté, oui, il l'avait dit. D'accord, première clé. Et encore Elvira. Le calendrier est avec elle. Bah, en fait, ça, je sais pas trop. Quand j'hoste une personne, j'ai l'impression que les personnes qui sont sur ma chaîne, qui regardent donc la personne hostée, le chat n'est pas lié à sa chaîne. En fait, vous parlez un peu en privé si vous voulez sur ma chaîne. Mais lui, il le voit pas. Donc vous pouvez lui dire plein de saloperies, il le verra pas, quoi. Après, je vois pas trop l'intérêt, c'est dommage que le chat soit pas connecté bah, au live associé, quoi. Attends, mais j'ai une vision qui voit à travers les murs maintenant? Pas normal ça. Apparemment, c'était juste la table. Ou alors, il te foutait un blanc. T'as vu, il était pris entre deux feux. Il a bien souffert. Sympa ce petit hôpital. Merci Yoichi. Merci pour le host. Là, je vois l'alerte. C'est vrai que je sais pas combien de temps vous avez attendu avant que je revienne. Mais je mets toujours un peu de temps pour mettre tout en place à chaque fois, surtout quand je redémarre quoi. C'est l'horreur. Donc désolé pour l'attente. Mais clairement, faut que je me mette ça. Si je commence un live, pensez à redémarrer le PC avant quoi. Je pense que j'ai un petit souci quand même de mémoire sur ce PC. Je suis même pas sûr d'être à 8 Go, je crois que je suis à 6, quelque chose comme ça. Et... Bon, remarque, non, je dois être à 8. Bon, je sais plus. Mais je peux pas aller au-delà. Ça lui fera peut-être du bien, quoi. Ouais, c'est. Le host, c'est un peu une entraide même. Histoire de faire découvrir à des potes à ceux qui me suivent sur la chaîne. C'est très efficace l'électricité contre eux. Je vais utiliser que ça que pour eux. Merde, putain, j'étais en train de lire le chat. Gage! Par contre, il va falloir que je trouve des recharges d'électricité là. Je vais prendre ça. Ah putain, c'est un peu mortel quand même ce. Ça peut être aussi violent qu'un lance-roquette quoi.
pitche tout à fond. Ah non. Oula, ma vie. Oh putain, j'étais pas bien. Bon, du coup, faudrait que je trouve une boîte de pharmacie. C'est bizarre, j'ai pas fait grand chose. Ah putain, il boit ça! Ah! C'est dégueulasse! Oh, c'est quoi cette salle? C'est quoi cet hôpital là? Cache-toi! Alors, belle salle de torture. C'est pas mal fait là, ce petit montage. Ah, d'accord. C'est de l'acide. Tant pis. Putain. Donc j'ai la clé de flamme, mais c'est le crâne qu'il me faudrait. Un peu. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que le host c'est mieux quand t'as plein de personnes quoi, mais bon. Ouais, ça, je peux pas faire mieux. Hein. Par là, puisque juste que je trouve la porte qui demande la clé de flamme. Attends, je vais peut-être passer là. Bah non, ça mène là, ça, je suis d'accord. J'ai déjà tout fait ici. Ah, c'est là. Putain, quel con. Ah, la chapelle. Donc c'est là. Merde! Ah, putain, quel con. En fait, ici, il faut le voir, mais là, il y a un petit crâne. Donc, si tu vises, voilà, ça ouvre cet accès-là. Et donc, on arrive au niveau secret. Salut, Robin! Non, c'est clair. Putain, c'est quoi ce début? Merde. Attends, non. Ça se fait, ça? En fait, c'est une arme qui est bien quand t'es loin, quoi. Alors attends, sinon on va se faire un truc. Ils sont passés où? Merde! Attends, j'en ai plein des dynamites. Je vais te garder l'électricité pour. J'ai eu les deux? Putain, pas mal. J'avais de garder un peu l'électricité pour plus tard. Là, il y avait un bon terrain de combat, donc ça va. Putain, c'est une main, ça. Oh, fait chier. Oh putain. Ah, il a bien éclaté, quoi. Ah, il reste plus rien, quoi. Il a embouilli, quoi, le truc. Ah putain, ouais.
C'est des faux murs, ça. Enfin, des faux barreaux. En fait, ça considère ça comme un mur. Il y a lance-roquette là. Okay. Alors, attends. Bizarre ça. Il y aurait des portes, mais. Non. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu des pattes. Ah, là, c'est des vrais barreaux, par contre. C'est ça qui fait ce bruit là. Oh là là. Ok. Alors je sais pas trop où on est là. Attends, mais c'est quoi ces pétards mouillés là? C'est cool si tout le monde va bien, c'est ce qu'il faut. I need a key. Give me your soul. Tout cas, moi j'enchaîne après après Horizon sur Zelda. C'est cool parce que j'avais un peu joué aux deux en même temps, mais vraiment très peu. Parce que. C'est un peu difficile, hein, surtout niveau maniabilité. C'est pas du tout les mêmes boutons. Hein. Et à chaque fois, je confondais les deux. Enfin, c'était horrible. Faut vraiment avoir le coup de main sur le ZD1. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la maniabilité est pas évidente à prendre en main, quoi. Enfin, les contrôles, je veux dire. Je me paume très vite avec les boutons pour changer d'arme, bouclier, flèche, etc. Mais bon, c'est un coup de main à prendre, quoi. Faut vraiment être concentré sur ce jeu seulement. Oh, aïe aïe. Putain, je suis pas bien là. Et niveau graphisme, c'est vrai que quand tu passes de Zelda à Horizon, ça pète. Mais ça va quoi, c'est pas non plus. Moi je le trouve très beau le Zelda quand même. Également. Les textures, ok, quand on est proche, c'est pas très beau. Mais alors, tout ce qui est au loin, tout ça, c'est quand même bien foutu, quoi. Surtout pour tout ce qu'on peut faire, quoi. Faudrait vraiment que je trouve de la vie là, je suis pas serein là. Bon, attends, qu'est-ce qu'on va faire? I need a key. Oh putain, merde. Merde, il y a les araignées. Il s'est pété la gueule tout seul lui. Franchement, c'est. Enfin, faut pas oublier que la Wii U, quand même, c'est. Niveau qualité, c'est une PS3, Xbox 360. Un petit peu plus, je crois, normalement. Et ce Zelda, je sais pas si on l'aurait vu sur une PS3. Enfin, vraiment, avec tout ce qu'il y a, c'est chaud, quoi. Bah en fait je sais pas, ouais j'ai passé quand même pas mal de temps sur Horizon. Peut-être entre 30 et 40 heures. Et j'aimerais bien savoir quand même combien de temps j'ai passé dessus quoi. Je sais pas s'il y a moyen, peut-être voir sur la sauvegarde du jeu. Faudrait que je vois ça quoi.
Par contre, j'ai pas le 100% complet du jeu hein, dans Horizon. Par exemple, j'ai pas tous les journaux à collecter là. Les journaux audio, les textes. Ça, je me suis pas pris la tête à les prendre. Parce que c'est pas indiqué et il y en a trop quoi. Là, il m'a foutu un sale coup là. D'accord, sur la sauvegarde. Excellent, il joue au foot avec ce. C'est bon ça. Bon, je crois que j'ai eu la main. Ouais, je pense, hein. 100% c'est avec tous les trucs holographiques. Et bon, c'est sûr que t'en enchaînes plein à la fin. Enfin, faut pas trop que j'en parle. Mais là tu fais le plein, mais bon. Putain, je me suis pris une main. Un petit peu chiant ce niveau là. S'accroche pas, je comprends pas. Je suis coincé. Bon. La bonne soirée, Tomoko, et merci d'être passé. Putain. Ah mais attends. Ah, je l'avais vu pourtant. Ouais, j'ai vu ta question, Fire Mario. Alors, si je devais choisir, ça sera Binding of Isaac, je pense. Même si je l'ai fait 1 milliard de fois, si vraiment il y avait qu'un jeu, bah vu que c'est le meilleur rogue pour moi, ce serait celui-là. Ou alors, si je reste que quelques mois sur une île avec qu'un seul jeu, bah ce serait le Zelda actuellement. Pour le finir entièrement, je crois que c'est bon quoi. C'est bon. Ouais, je pense bien que tu posais la question à tout le monde. Bon, ces catacombes là, ça commence à être un peu chiant. Ah, une clé de merde. Oh putain, saleté. Hop! Ok. C'est pas ton jeu préféré, Totor? Au niveau des roguelikes? Attends, j'ai plus le. Attends. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi j'ai plus la souris hein? Attends. Je peux plus regarder en l'air ou. Oh putain, qu'est-ce que j'ai branlé encore? Attends, j'ai dû appuyer sur un bouton. Ah voilà. D'accord, je l'avais désactivé. Bon, tu m'attaques? On est retourné au début.
Putain, mais pourquoi ça s'accroche plus hein? Maintenant, s'il n'y avait pas d'autre porte avec le crâne. C'est que je reviens un peu là. Ah, ok, ouais. En général, ouais. C'est quand même des questions difficiles, quoi. Ça m'a permis de faire quoi alors ça? Pas grand chose quoi. Je commence un peu, mais il est long ce niveau. Hein. Là je vais rien récupérer, ok. Je vais y arriver à aller au-dessus. Est-ce que j'ai pas les bottes? Là, j'ai pu passer là. Foiré, tu viens d'où toi? Il est pas mort. Ok. Je peux pas aller sous l'eau. Putain, mais c'est un labyrinthe. Alors attends, je vous lis un peu. Super Mario Bros 3, Mickey Mania. D'accord. Ouais, c'est très difficile comme question. Quel est le jeu préféré quoi? Ça dépend du moment, ça dépend. Enfin, je sais pas. Un peu en bois cette arme quand même. D'accord, ça permet de faire quoi là? D'accord. Putain, c'est bizarre ce niveau, hein. Je comprends pas là. On ouvre des accès pour revenir au début. Mais pourquoi? Ouais, j'ai encore deux portes à ouvrir. Attends, ça l'était ça? Non, ça l'était pas ça. Il me dit rien. Non, merde!
J'espère qu'il y avait que ça là. Putain, l'embuscade quoi, il m'attendait bien quoi. Putain, c'est fou. C'est long quand même, hein, les épisodes. Ça n'a rien à voir avec les Doom ou Wolfenstein. Hein. Bien plus long. Alors, ça va s'ouvrir d'un coup, je le sens, mais je sais pas à quel moment. Ah, ça va être là. Alors attends. Attends, non, non, on va faire ça bien. Voilà. Hop. Truc que j'utilise jamais là. Merde! Ah, le con! Allez hop! C'était presque sympa. Ok. Et juste ça que c'est pas ouvert. Ça y est, c'est le cas. Donc ça m'a permis d'avoir la clé avec l'œil. Ok. Ça a l'air de se péter ça. Ça s'est ouvert. Ah super, une pharmacie. Ok, maintenant faut que je trouve la porte avec la. Avec l'œil. Putain, j'ai aucune idée ça par contre. Ah bah c'est là. Oh, oh, ce coup de peau quoi. C'est que cet endroit encore. Ok. Oh, c'est la fin. Ouf. Voilà. Donc là, ça sera la fin de la première partie sur la rediffusion.